Hello, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une super semaine et que vous passez un bon week-end. Premier stream de la semaine. On est dimanche, on est samedi à 22h. Donc ouais, on n'a pas streamé de la semaine tout simplement parce que depuis dimanche dernier, on est un peu malade. J'étais malade toute la semaine quasiment. Ça va mieux depuis ben, vendredi en fait. Même jeudi, allait dire. À partir de jeudi, ça allait mieux. Du coup, je me suis concentré sur les jeux que j'avais, mais j'ai pas streamé parce que j'étais vraiment pas en état. Avec le nez bouché, avec la voix enrouée, le mal de crâne, enfin bref, c'était la cata toute la semaine. Là, on est pas mal. Je suis content parce que j'ai pu poster mon petit test de Ghostwire Tokyo. Je suis assez content parce que le jeu est super cool en plus, donc allez lire le test. je me suis saucé pour enfin préparer les petites vidéos que je devais vous préparer. Il va en avoir une sur Gran Turismo 7, donc j'ai récupéré tous les gameplays qu'il me fallait. Et une autre sur Ghostwire Tokyo, il faut que je récupère un peu de gameplay. Et peut-être qu'il y en aura sur d'autres jeux à venir. En tout cas, sur des jeux dont les tests sont sortis récemment. Là, vu que j'ai un peu de temps. En fait, là, ce qui est pas mal, c'est que j'ai aucun jeu en cours. Enfin, si j'ai des jeux en cours, mais j'ai aucun test en cours. Du coup, c'est plutôt cool. Je peux y aller un petit peu en freestyle, un petit peu comme je veux. Et donc là, la semaine dernière, on a découvert Marvel, Les Gardiens de la Galaxie. Sur le coup, j'appréciais bien, mais en fait, je kiffe pas trop, donc je continuerai pas le jeu. Et là, on va commencer un tout nouveau jeu qui est disponible depuis pas longtemps, depuis le 31 mars, parce que ça fait 2 jours, on est le 2 avril. Hein. C'est Weird West, pardon, une espèce d'action RPG en vue du dessus, développé par Wolf Eye Studio, pardon, donc c'est leur premier jeu. Et c'est un studio qui a été monté par Raphaël Colantonio, pour tous ceux qui ne le savent pas, bah c'est l'un des créateurs d'Arkane. L'un des cofondateurs d'Arkane, en fait, qui est parti et qui a créé son petit studio, donc Arkane qu'on connaît pour Dishonored et puis d'autres titres. Donc voili, voilou. Voilà, donc on va partir sur Wild West, dispo dans le Game Pass, sur PC. Belle petite ambiance, on va voir ce que ça vaut. Bah, let's go. Si le jeu veut bien démarrer. Ah oui, forcément, si. Voilà. Voilà. Et bon, il s'affiche. On peut faire le jeu à la manette, mais apparemment clavier-souris, ça passe. Donc on va y aller clavier-souris. Traded him for a normal life. Tonight, though, that's all gonna change. Destiny's calling, and it ain't taking no for an answer. Dead in the dirt outside, and a burning at your neck, like you've been branded with a cattle iron. Et c'est moi ça? Ok, cette PSD, pas de problème. T'es sûr qu'il y a dehors là? On va choper une arme ou un truc à l'intérieur. Donc, je peux bien. On est en vue du dessus, mais on peut quand même bien contrôler la caméra. Il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau-là. Allez, allez. Attendez, on va remonter un petit peu, voilà. Bon.
J'ai entendu des coups de feu, alors je suis venu tout de suite. C'est un coup des Stillwater que la crue les emporte, on dirait, qu'ils ont attaqué toutes les fermes jusqu'à Gallant Crossing. Ok. Ils ont tué de son fils. Ils ont tué ton fils. Crois-moi, ces salopards vont payer pour ce qu'ils ont fait. Mais je n'ai pas vu ton âme sœur, Alonzo. S'ils l'ont emmené, il faut agir vite avant que la piste se refroidisse. Refroidisse, ok. Il demandait qui sont les Stillwater. Oh, je m'en fous, je veux savoir où ils sont allés. J'ai pas vu par où ils sont partis, mais j'ai capturé un des Stillwater. Il est dans la prison de Crackle. Si on sait lui parler, ce chien pourra nous apporter des réponses. Let's go. Tu fais mieux de prendre ton revolver, j'ai l'impression que tu en auras besoin. La parole, tu as oublié, on a enterré ton vieux revolver dans le reste de tes affaires quand tu as raccroché. Une fois équipé, retrouve-moi à la prison. Tu sais, je sais, tu pensais en avoir fini avec ta vie de chasseuse de primes, mais elle n'en a pas fini avec toi. C'est un relais pour faire des messages. Je pensais que c'était de l'équipement. C'est le truc de son mec. Ok, système de talent, etc. Il y a juste un truc que j'ai envie de faire. Parce que j'ai la vue qui baisse et j'ai un petit peu de manière. C'est voir si je peux pas augmenter la taille des sous-titres. Normal, taille de l'interface des textes. Voilà, c'est ça que je voulais changer. On va tout mettre en gros. Alors, je sais pas si ça marche aussi sur les sous-titres du coup. Attends, icône, mode photo, on s'en bat les couilles. Sous-titres. On va dire que ça ira comme ça. La sauvegarde auto, mais. J'ai un petit truc par là-bas, j'imagine que ça va être mes armes. Belle, ok. Pistol's grip matches your palm exactly. All blue. Been a while. Let's go. Vous avez trouvé votre premier pistolet, maintenant clic droit pour viser et tirer avec clic gauche. Vous pouvez trouver des bouteilles à proximité pour vous entraîner. Ok, il y a la recharge en bas. Let's go. Il est temps de vous mettre en route pour vous rendre vers un lieu. Dirigez-vous vers le nord de la zone dans laquelle vous vous trouvez pour atteindre les limites de la zone, puis appuyez sur E pour ouvrir la carte de voyage et choisissez votre destination. Let's go.
Alors, il y a un truc, parce que j'ai l'impression qu'il y a... Mouillé, d'accord. Ne peut pas prendre feu, mais rallonge et augmente les dégâts de foudre. Ah, c'est pas mal, ça. Donc, en fonction de ce que tu fais, de là où tu... Enfin, de là où tu... On va peut-être éviter de prendre, ça, hein. Tu peux, utiliser les trucs du décor aussi. Ok, let's go. Mettre de coyote. Ah, tu peux te faire attaquer. Ok, pendant que tu voyages. Intéressant. C'est un peu chimique ce que j'ai fait. On va reprendre sur eux. Prendre la viande, hein. Vous avez trouvé des aliments crus, arrêtez-vous dans un endroit où vous avez un feu pour réchauffer et récupérer. Ok, pour cuisiner. Putain, oui, si je... Ok, non, ouais, faut pas que je rentre dans le feu. Bah oui, je suis un peu con, là. Là, j'avoue que j'ai été un peu con. J'ai des balles de pistolet parce que j'ai quasiment tout utilisé. Ok, je peux cuisiner. Ok, ça rend des PV. Ah bah oui, vu qu'il pleut, ben le feu il s'est éteint. C'est pas mal du tout. Ouais. Ah, il y a des vautours qui bouffent les cadavres. Ok, intéressant. Intéressant, intéressant. Fais gaffe à qui tu prends les objets, ok. Les crues, j'avoue que je suis ravi de te revoir avec ton Siku. La vie à la ferme, ça t'allait pas. Bon, faisons-le parler maintenant. Tu nous dis ce qu'on veut savoir et on ne te brise que quelques doigts. Juste assez pour te gratter le cul. Votre truc, c'était les munitions, pas les enlèvements. Qu'est-ce qui a changé? Va te faire voir, shérif de mes deux, je te dirai rien. Tu sais, comme ta voix tremble, comme ça, je te trouve pas convaincant. Tu trouves ça convaincant, toi? Tu devrais lui faire cracher le morceau. Demandez gentiment, menacé de livrer à la foule en colère dehors.
C'est pas d'eux que j'ai peur, c'est de lui. J'ai cassé les doigts, ok, il veut rien dire. Ok, on va essayer de le protéger. Bah, c'est vrai que je vais casser les doigts et maintenant je dis que je vais le protéger, ça marche pas trop, ouais. Alors par contre... J'ai la caméra parce qu'en fait c'est en train de vous niquer tous les textes. J'ai pas fait gaffe à savoir la bouger. On va mettre de l'autre côté. Ça cache une petite partie de l'interface, mais ça va. On va lui recasser l'autre doigt. Donc Shelby Cross, ok. Ok, donc c'est un monstre. Oh putain, je suis sadique. Il se retrouve dans un camp à 5 heures de marche. En fait, je vais casser un autre doigt. Vers Offerton Valley, que Yab t'emporte. La piste est encore chaude, traîne pas, je te préviendrai par le relais si j'ai du nouveau. Let's go. Je dois rester ici pour protéger la ville, tâche de donner une bonne leçon au camp des Stillwater. Ok. Let's go! Ce sont des sirènes qui ont enlevé mon mari, ok. Des cannibales, ah oui. Donc il faut trouver leur camp assez rapidement. Parce que j'imagine qu'ils vont tout bouffer, quoi. Et qu'il restera plus grand chose après. Sûr que je vais me faire attaquer avant. Ben voilà. Caravane des vagabonds du désert. Voir si j'arrive à récupérer notamment des munitions. Je vais en dépenser probablement. Oh le con! De les voler, hein. Il faut de l'argent, et de l'argent, je crois pas que j'en ai beaucoup. Et ça, c'était un camp de marchands, en fait. Ok. Le donjon peut avoir des compagnons, apparemment. Et si tu veux la jouer sneaky, il y a que toi qui peux voir, donc ça va. Assommer des ennemis.
Vous avez déjà une arme de cette catégorie, vous pouvez revendre les armes en trop chez les forgerons en ville, ou si vous avez besoin de munitions ou de matériaux, interagir avec une arme à distance dans votre inventaire et la détruire. Vous pourrez ainsi récupérer des munitions. Ok. Dans les buissons. Je vais tous les réveiller là. En plus, il y a plein de boutons rouges là sur la minimap en haut à droite. Donc c'est probablement qu'il y a un petit peu de monde par ici. Plutôt que de passer. Si je pourrais passer par là en fait, je suis con. C'est pas qu'il bougeait. S'abriter dans les combats. Ah ok, tu peux t'accroupir. Et donc tu peux ramasser des trucs que tu peux vendre. Ah ok, donc j'ai intérêt aussi à quand même ramasser pas mal de trucs. J'ai de la limite quand même de place dans mon équipement, mais j'ai intérêt à, en tout cas en début de jeu à ramasser énormément de trucs quoi. Je pense. Cet objet depuis l'inventaire, fusil à verrou. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, j'ai fait une dinguerie là. Putain, non, j'ai pas vu, il s'est équipé. D'accord, il s'est équipé le bordel. J'ai que 4 balles. De l'autre côté, j'en ai combien? Il m'en reste 11. Bon, on va faire avec.
Je vais devoir voir ce qu'il y a. Si, mais ils sont trop loin, j'ai l'impression. Donc je vais aggro toute la zone là. J'avais quand même un peu de choses, quoi. Ah, plus de balles. C'est exactement la même arme que la mienne. Elle a juste un nom différent. Ok. Ouais, donc il y a plusieurs types d'armes en fait. Donc tu peux en avoir plusieurs en même temps, c'est pas mal. Donc ça c'est en bas. Il y a des projectiles. Let's go. Est-ce qu'on peut équiper? Non, on peut pas équiper. Et par contre la portée, tu vois, c'est pas très grand. Sauvegarder comme ça, à la volée. Et tirer sur une lampe. Ok. Pour appendre du pétrole au sol et déclencher un incendie, créant ainsi un piège mortel pour vos adversaires. Ok.
là c'est une carabine, ok, enfin c'est un fusil à double. Ok, à double canon. Enfin canon scié quoi. Ou double canon. Ok. Trouvez ceci pour prendre des compétences. Ok, les reliques de Nîmes. Vous avez trouvé une relique de Nîmes. Les griffes pétrifiées de ces créatures mortes depuis longtemps peuvent être utilisées dans votre journal pour acquérir de nouvelles compétences de classe et d'armes. Ok. Coup de pied circulaire. Pendant 20 secondes, vos coups de pied infligent plus de dégâts et envoient des objets plus loin. Ok. Pose un piège qui explose quand les ennemis en approchent. Ok. Après, ouais, après je peux aller parler. Ouais, ok. Il y en a plein. Ok, t'as les compétences de revolver. Ok. D'accord. Donc j'en ai certaines qui sont disponibles. Parce qu'il y en a qui te demandent, par exemple, plusieurs. Voilà. Plusieurs reliques. Donc c'est un collectif que tu vas choper en jeu. En fait. Tire en éventail. Votre prochain tir, à votre prochain tir, toutes les balles de votre chargeur seront tirées. Le coup porté combinera tous les dégâts. Ah, faut pas rater. Hein. Ok, donc on peut aussi choper un arc, je viens de le voir ça. Et t'as le coup de mêlée quoi. Vraiment, je vais garder mes points. Je vais complètement garder mes points. C'est vrai que il m'avait eu sinon j'aurais utilisé là. J'aurais fait exploser le bâton de dynamite. Enfin le tonneau de TNT qui est juste au-dessus là. Je l'ai vu qu'au dernier moment. Gilet. Ils ne rateront pas les balles mais peuvent vous sauver la vie. Les gilets améliorent votre protection et réduisent la quantité de dégâts. Ok. Ok, il me l'a équipé. D'accord. Cocktail incendiaire. Ok. La dynamite, ça fait encore plus mal. En visant, vous pouvez sauter avec mage gauche pour ralentir le temps et esquiver les tirs ennemis tout en étant capable de tirer. Okay. C'est un peu chaud, on va se mettre là. Thank you.
Là, c'est passé pas mal. Je commence à piger un petit peu. Attends, j'ai quoi, une machette carrément? Là, il va être plein. Donc faut que j'avance à la prochaine étape. Ok. Je pense pas qu'il y a d'autres choses à récupérer, on va avancer là-dessus. On va suivre les traces. Something don't feel right. Hairs on your neck wake up. Danger's close. Ça va être dangereux. Amélioration d'armes, ok. Ah, c'est où est mon mari? Qu'elle allait posséder, c'est sûr. Ouais, elle est bizarre. A look in her eye, dead as river stone. Well, at least she pointed you in the right direction. Beggars can't be choosers. Ah, j'ai l'impression d'aller dans un traquenard là. Et foncer tout droit dedans. Donc ils ont que kidnappé des gens pour le compte de quelqu'un d'autre. Je sais pas qui c'est. Violent. C'est violent. Smells all wrong here. Sirens have been feeding. Let's hope your husband wasn't on the menu. Thank you.
Il va crever, lui. J'ai pas alerté tout le monde, donc c'est déjà ça. J'ai plus beaucoup de munitions en fait là. Ça m'a bien eu, hein. Par contre, c'est vrai que j'aggro pas tout le monde. C'était sûr. C'était sûr. Smells all wrong here. The sirens have been feeding. Let's hope your husband wasn't on the menu.
je peux payer la clé en plus. Parce que j'ai plus de munitions du tout. J'ai plus de balles, j'ai plus rien.
chaud, chaud, chaud. On va essayer de le choper, lui. Viens là, toi. C'est des trucs que je peux vendre, ok. Je peux me reposer pour récupérer ma vie. Faire la même chose. Au niveau de l'inventaire, parce qu'il y a forcément des trucs que je peux désassembler. Ah oui, putain. Comment je fais pour désassembler? Un G, ok. De la même arme, j'en ai un peu beaucoup. Là. De la vie. Il
Si les portes en bois normal peuvent être facilement détruites avec la plupart des armes, les portes blindées ne peuvent être emménagées détruites qu'avec de la dynamite. Il est ça tout de suite. Moi j'ai la clé. Parce que j'ai la clé, que j'ai utilisé, la clé que j'ai utilisée tout à l'heure. 43 balles. Ah, donc tu peux désassembler les vieilles armes pour récupérer des balles. Ah oh, putain, si j'avais su. Un as d'or, ces mystérieux artefacts peuvent être utilisés dans votre journal pour acquérir de nouveaux talents. Ça, c'est cool. Ah, il me faut une pioche, j'ai pas de pioche. Okay. Comment ça, de la craie? Ça a l'air éclaté. Ah, ça c'est pour les... Ok, donc ça c'est pour les serruriers. On trouve de l'argent plus facilement. Réduit les coûts, prix des magasins. Augmente de 15% les dégâts infligés par les membres de votre groupe et leur maximum de PV. Pour le moment, je gardais ça. Inflige plus 5% de dégâts explosifs avec la dynamite. Ok. Vous sautez 10% plus haut et les chutes font moins de dégâts. Inflige 20% de dégâts aux cibles qui ne se doutent de rien. Ok. Vous récupérez 20% de points de vie en plus. En utilisant des pansements, ça peut être sympa ça. Vous dépassez 5% plus vite quand vous visez avec une carabine ou un fusil ou un arc. Augmente de 25% la cadence de tir pendant un saut d'esquive. Ok. Accélère 10% le rechargement des armes à feu. Oh, ça va être stylé ça. Augmente 10% le maximum de PV. Augmente votre vitesse de 10% quand vous êtes accroupi. Donc, on va partir là-dessus. Chargement des armes déjà. Tu l'as crevé aussi. J'avais plus rien. Nice. J'ai plus l'impression qu'il faut essayer de la jouer malin sur ce jeu. Oh,
croyez que vous surpassez tous vos ennemis, vous vous trompez. Il existe des variantes encore plus redoutables de la plupart des ennemis que vous rencontrerez dans l'Ouest. Vous pouvez les identifier par les insignes affichés à côté de leur nom quand vous les visez. Plus il y a d'insignes, plus l'ennemi est redoutable. La présence d'une couronne sur l'insigne indique que l'ennemi est le chef d'une bande locale, une cible de choix, car les membres de sa bande peuvent fuir s'ils voient que leur chef est tué pendant un combat. Là, ça veut dire « fais gaffe, mon coco ». Faut essayer de la jouer malin ou pas trop dans le... pas trop dans la confrontation. Et juste de l'autre côté. À côté, il y a des gens. On a bien fait le ménage. Laisse un petit tasse d'or. On va partir là sur la vie, Max. Vie Max, c'est toujours important, ça. Un crochet, c'est sûr que j'en ai pas assez.
clé des cages. Que j'ai pas fait. J'ai pas looté, il y a un truc qui va pas là. On va remonter en haut parce qu'il y en a peut-être justement des ennemis par rapport aux ennemis que j'ai laissé en haut pas là. Avec lesquels je galérais, que j'ai pas tué finalement. Personne là. Nice. J'aurais carrément pu passer comme ça aussi en mode infiltration. Vous savez, l'infiltration, c'est pas mon fort. Il n'y a plus aucun ennemi. Du coup, comment je vais faire pour choper les clés? Il y avait des ennemis encore dehors, il n'y a plus personne là, c'est chelou. J'ai cru voir. Oh, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre.
Ils sont passés où tous là? Oh, j'ai pas vu, il y avait une amulette. Alors, c'est où que ça se met? Ah, c'est ça. Vous équipez, vous infligez des dégâts supplémentaires si vous avez une très bonne réputation. D'accord. Peut-être sur l'autre là. Il n'y a pas de durabilité sur les armes, allez hop. Ces putains de clés. J'avais pas vu qu'il y avait ça. Que c'est le même revolver mais avec 5 dégâts supplémentaires. 5 dégâts de plus par balle. Je prends. J'ai un peu de bouffe, mais pas tant que ça. Alors là, je comprends pas. Ouvrir le coffre des Stillwater, donc c'est le coffre qui est là-bas. Et ça, j'ai déjà fait ça. J'ai déjà trouvé. Là, je suis bien emmerdé. C'est un coffre que j'ai pas vu. Ça m'étonnerait.
T'as une clé, ça? Putain de merde. Et t'es juste là. Dors 450. Putain, si vous aidez les habitants de l'Ouest, vous pourrez vous faire des amis fidèles. Les amis fidèles peuvent parfois intervenir dans les combats si la situation est désespérée et vous sauver d'une mort imminente. Your husband's name's written on the relay in pencil, but the message itself's encrypted. You'll need to show it to a relay clerk. They'll know how to parse it. Il faut que je trouve une ville. On va remonter tranquillement. Est-ce qu'il y en a encore, un qui a besoin? Je l'ai pris, lui. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a besoin, là, de... que je le sauve de sa cage? C'est ce qu'on va aller faire. Je tourne en rond pendant 20 minutes, là, juste pour une putain de clé. Il a fallu du temps, mais Greg se relève. Le magasin général, l'armurerie, le bureau de relais, tout est ouvert et le tableau des primes. Et là aussi, si tu as besoin d'argent pour aller là où tu vas, reviens si tu as besoin de ravitaillement, d'accord? Et si tu veux une autre paire de six coups, emmène mon adjoint monte avec toi. Ça lui démange de transformer quelques six water en passoire. Ok. Ok, donc je dois recruter. Ok. On va aller le recruter. Hop. Let's go. On va voir ce qu'elle veut. Bonjour jeune Belle, c'est bien ça, regardez-moi ça, le revolver sur la hanche, le chapeau, c'est très convaincant. La chose de prime qui cherche des réponses, tu es à fond dans le personnage, j'adore. Et alors il me prend pour quelqu'un d'autre, je crois. Je veux dire que tu as l'air secoué, aurais-tu perdu quelque chose par hasard? C'est vrai que c'est désespérant, c'est même une tragédie si je peux me permettre. En parlant de drame humain, j'aimerais savoir ce qui te fait vibrer. Émettons une hypothèse. Tu te retrouves face à face avec une femme qui t'a fait du tort et pas des petites broutilles, mais un tas de saloperies. Tu recherches cette femme depuis des mois, des semaines, des années. Un jour, tu la retrouves, tu vas pouvoir te venger, mais avant de le faire, tu apprends la vérité. Elle avait une bonne raison de te faire du tort. Tu étais cruelle et méchante, en vérité. Tu méritais ce qu'elle t'a fait. Voici ma question. Cette femme t'a fait du tort, mais tu le méritais maintenant. Que tu l'as retrouvée, que fais-tu? Ethan, ok. Faut pas que je l'ouvre. C'est ici que nos chemins se séparent, Jane Bell. N'oublie pas que quoi qu'il arrive, n'ouvre pas cette boîte. Au revoir. On se reverra bien assez tôt. Ok.
L'impression que si j'avais mal répondu à sa question, ça aurait enchaîné sur un petit combat des familles. À la forge, moi, c'est surtout déjà un marchand qu'il faut que je trouve. Let's go. Ce groupe est très prometteur. Vous pouvez parler aux membres de votre groupe à tout moment pour voir leur inventaire, leur demander de s'équiper d'une autre arme, ou même les exclure. Vos compagnons s'équiperont et utiliseront les gilets, les pansements que vous leur donnerez. Ne paniquez pas si un de vos compagnons meurt au combat. L'Ouest regorge de danger et vous pourrez toujours recruter quelqu'un d'autre au salon. Je peux déjà, est-ce que je peux voilà. Moi, ce que je voulais voir, c'est est-ce que je peux vendre déjà. L'intérêt, c'est déjà de vendre. Pas la thune. Wallet post. C'est les primes. General Store. Ah, j'ai mangé mes crochets.
pense qu'on est pas mal. Alors, je suis passé à la poste machin, je pense que c'est ici, le relais. Ok, c'est ça. Pour l'instant, vous avez trouvé ça, c'est compliqué comme code, je peux le déchiffrer, mais il me faut du temps et aussi 300. J'ai pas cet argent. La puissance de la foudre, émetteur, récepteur, la personne à l'autre bout du bout le trajet, et voilà la communication instantanée à longue distance grâce à toutes ces. Ok. J'ai pas la thune donc c'est compliqué. Pour le relais, c'est pas tout de suite, il me faut un peu de thune. La femme du forgeron, elle ou la carte. Ok, donc ils sont. On va aller juste après, mais avant. Voilà. Je suis juste le petit objectif de la petite quête secondaire qui est par là-bas. Comment je vais sur... Alors moi ce qui m'importe là, c'est comment je vais sur l'inventaire de mon collègue. Il est loin lui. Lui un peu aussi. Carrément à l'autre bout. On va pas s'arrêter pour le moment. Sur les endroits qu'on découvre. Ces trucs là pour le moment, on va vraiment se concentrer sur les trois objectifs parce que le but c'est quand même de récupérer les 300$. Thank you.
Ouais, il s'est fait déchirer en 2-2. Ça se passe pas trop mal. Je pense qu'on a eu tout le monde en plus là. Parce que j'ai fait de cadeau à personne. Avec un cheval, ouais, ça va plus vite. Ok, comment ça va se passer? Je viens d'apprendre que mon adjoint ne s'en est pas sorti. Monde. J'aimais ce crétin comme un frère. Tâche de venger sa mort et d'envoyer des Stillwater 6 pieds sous terre, d'accord, shérif, machin. Ouais. En même temps, il était un peu con. Réservé au jamais plus, ok.
Qu'est-ce que je peux prendre en termes d'inventaire, je suis plein. Cette arme-là, elle est vraiment stylée. Pas grand chose ici. C'est vrai que j'ai utilisé pas mal de balles. Là, je suis rentré, là j'ai fait le gros bourrin. Hein. Je me suis pas posé de questions là. Je veux du minerai, il faut des outils pour pouvoir miner en fait, tout simplement, sinon c'est un peu compliqué. Par les esprits, quelqu'un est vraiment venu, je n'en reviens pas, je ne rêve, c'est... je rêve. Je rêve pas, c'est bien vrai. Pardon, je... Je perds la tête depuis que je suis ici, je ne sais même pas depuis combien de temps je suis là. Si je pouvais, j'en pleurerais, je t'en prie, étrangère, faut que tu m'aides. Tu dois te demander ce que tu fais ici. Il y a des années, j'ai dû affaire une oniriste. J'ai dû l'offenser parce qu'elle m'a enfermé là-dedans. Il faut que tu m'aides à briser cette malédiction. Je te serai redevable. Ok, on va l'aider.
Ok, elle va m'accompagner en fait. Il faut que je trouve une autre honoriste pour qu'elle puisse lever la malédiction. Tout simplement. Tranquillement, et se diriger vers la troisième cible. Là, par contre, j'ai plus de cheval. Et on a par ici des chevaux. Y a pas. On a découvert plein de points là. Pour deux jours. Bouger un petit peu sur la carte. Réservé au Apocalypse. Ok. Je me tire parce qu'ils sont dangereux. En train de m'aider? Ils ont l'air dangereux les apocalyptides. Ils ont l'air bien dangereux, ils peuvent se téléporter et tout. Suive lui. Ouais, il va me suivre.
Ah ouais, en fait, quand j'ai tiré dans la maison... quand j'ai tiré dans la maison, en fait... j'ai dû activer une bonbonne de produits chimiques. Aider la S-bar. Ah, une oniriste. Oh, c'est un personnage comme ça que j'avais besoin. On se tient. Ah, ils veulent m'attaquer. Détruit. Vous avez deux reliques de nymphes inutilisées. Ah, j'en ai récupéré une deuxième, je sais même pas quand. Let's go, on va essayer de bouger un peu plus là. Il y en a qui veut me lancer une vendetta contre moi, bien. Okay. Une nouvelle amie en plus, nickel. C'est quoi? Barre de cuivre. Donc ça peut se revendre contre pas mal de choses.
J'ai voulu faire mon Alan Wake là. C'est pas mal de réputation en plus. Est-ce que j'ai eu mes 300 dollars? Est-ce que je peux voir ma monnaie? Ouais, j'ai 500 dollars, c'est bon. Le bureau de poste, hein, il est, je sais plus où il était le bureau de poste. Général. Ah tiens, c'est ça. Ok. Relay's clear. Looks like your husband must have crossed paths with a Mayor Weeks. Best pay a visit. General Store, ouais, c'est ça. On va pas la vendre. Et on est de retour à plus de 600 $. Tu sais pas bien ça? Sur 27, voilà, par contre en termes de munitions là, la petite chasse à l'homme là, elle m'a mis mal. Elle m'a mis mal. Bon les petits potes, putain, j'ai même pas fini mon thé en plus. On va s'arrêter là pour la petite session de Weird West. Hop, moi je vais l'avancer de mon côté, voir si ça vaut. Enfin, le jeu semble valoir le coup. Mais moi je vais avancer un petit peu de mon côté. Parce qu'il y a une prise en main qui est un peu bizarre, alors j'aimerais voir en avançant dans le jeu un petit peu comment, une fois que t'as avancé un peu, comment évolue un peu la boucle du gameplay. Bon, là j'ai un peu de temps, comme je le disais en début de live, j'ai pas spécialement beaucoup de jeux en cours, j'ai pas des tests en cours, donc on va bien profiter. Bah, j'espère en tout cas que la petite session de jeu vous aura plu. On va se retrouver, ben, je pense, demain pour un nouveau stream. Alors, je ne sais pas encore sur quel jeu. On verra bien. En tout cas, j'espère que la petite session vous aura plu. On va se retrouver demain pour la suite. Ciao, ciao.